Bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons commencer cette commission santé et aide aux personnes. Nous avons un ordre du jour relativement chargé aujourd'hui. Nous allons commencer avec une demande d'explication de Madame Saab concernant la revalorisation du personnel soignant des maisons de repos et de soins. Madame Saab, je vous cède la parole. Merci. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, gelukkig ligt de coronacrisis al een hele tijd achter ons. We bevinden ons in code geel en met een beetje geluk wordt de coronabarometer helemaal afgeschaft. Maar dat neemt niet weg dat er nog behoorlijk zware impact te constateren is op de gezondheidszorg en bij het zorgpersoneel. Want hoewel de grootste druk weg lijkt, is het nog steeds alle hens aan dek. Dat kon ik zelf constateren. Ik ben een paar weken geleden op bezoek geweest in een OCMW, rust- en een verzorgingscentrum. Behalve grote bewondering voor het werk dat ze leveren, moest ik ook constateren dat zij de COVID redelijk goed doorgekomen zijn, hoewel de tweede golf er zwaar heeft ingehakt. Maar de belangrijkste vraag is, hoe gaat het nu vandaag? Ze hebben zo lang in de actualiteit gestaan, het gezondheidspersoneel. We mogen ze nu niet uit het oog verliezen, omdat de storm wat gaan liggen is. En je ziet dat de mondmaskerplicht voor het personeel nog steeds verplicht is. En dat maakt het werk lastiger. Mensen verzorgen is een zware fysieke taak, waarbij het dragen van zo'n masker absoluut niet aangenaam is. En vooral is het ook moeilijk om herkenbaar te zijn voor de bewoners. Maar wat vooral opvallend is, is dat er zeer veel absenteeïsme heerst. Twee jaar lang het onderste uit de kan halen blijft nu eenmaal niet zonder gevolg. En heel veel werknemers blijken aan het eind van hun Latijn. Bovendien hebben bewoners vandaag vaak meer zorg nodig. De coronacrisis en de daarbij horende horrorverhalen van mensen die wekenlang hun kamer niet uit mochten, heeft veel mensen wantrouwig gemaakt. En het gevolg is dat bewoners nu pas op een veel later moment terechtkomen in woonzorgcentra, waardoor de zorg die ze nodig hebben zwaarder is. Ook dat weegt op het personeel. Kortom, de gevolgen van de coronacrisis zullen nog lang voelbaar zijn in de zorgsector. Het personeel heeft er eigenhandig voor gezorgd dat de maatschappij bleef draaien. En de waardering voor die mensen blijft mijn inziens een beetje achter, zowel op financieel gebied als betreft omkadering. Want niet alleen de vermoeidheid maakt de job moeilijk, het valt ook moeilijk te combineren met een familieleven. En daarom heb ik volgende vragen voor u. Welke maatregelen onderneemt u om absenteeïsme enerzijds te voorkomen en anderzijds het tekort aan werkkrachten op te vangen? Denkt u hierbij aan zowel financieel als omkaderende initiatieven? Bijvoorbeeld, eind 2020 kende de Brusselse regering een gewestelijke premiegoed als steun voor het personeel van de hulp- en zorgcentra. Dit was een eenmalige premie. Bekijkt u de mogelijkheden om meer middelen vrij te maken voor een betere verloning van de publieke zorgsector? Welke stappen ondernam u daar reeds voor? Hoe probeert u deze job zo toegankelijk mogelijk te maken? Heeft u al gekeken naar mogelijkheden om bijvoorbeeld kinderopvang of crèches te organiseren voor personeelsleden van woonzorgcentra? Net afgestudeerd verplegend personeel of verplegers in opleiding geven vaak de voorkeur aan jobs of stages in ziekenhuizen in plaats van rust- en zorgcentra. Heeft u onderzocht hoe dat komt en hoe u meer potentiële werkkrachten kan overtuigen van een job in een woonzorgcentrum? Dank u. Merci madame Sabé. J'ai également monsieur Busselen qui souhaite se joindre à cette demande d'explication. Monsieur Busselen, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Zoals mijn collega zei, heeft de sector van de woonzorgcentra sterk afgezien de afgelopen jaren. Ik ga niet terugkomen op het hoog aantal sterfgevallen in de eerste golf. Ik ga ook niet terugkomen op, of toch wel, wil ik toch wel zeggen, dat de Vlaamse regering toen na de eerste golf 550 miljoen euro heeft vrijgemaakt en dat het in Brussel stil bleef. Zo stil dat we een jaar hebben moeten wachten en talloze acties hebben moeten zien plaatsvinden in de straten door het vakbondsfront
om een jaar later dan die 57 miljoen euro te krijgen. 57 miljoen in plaats van de 100 miljoen die het vakbondsfonds ook had, berekend als een bedrag dat juist zou zijn. En de situatie verbetert er niet op, want als ik bel naar mensen die bij woonzorgcentra werken, Corian, Orpea, dan zeggen die, er is nog altijd een hoge graad van absenteïsme. De mensen zijn moe, zijn nog altijd op en trekken weg ook. Sommigen weten gewoon niet wat te doen. En het is een sterk commercialiseerde sector in Brussel. De hoogste graad in heel België. We hebben hier 20 Orpea rusthuizen. Orpea, waar er in februari nog een schandaal rond losbarstte in Frankrijk. En dus mijn vragen zijn, bijkomende vragen, heeft u eigenlijk een zicht, want dat gaat over grote multinationals die enorm veel winst maken. En het is gewoon zo absurd om te zien dat je langs de ene kant bedrijven hebt, multinationals, die zoveel winst maken, en langs de andere kant een personeel dat gewoon op is, dat niet meer kan, dat met weinig handen zit, dat eisen komt voorleggen, maar die niet ingewilligd krijgt. En dus ik heb twee vragen. Heeft u eigenlijk een zicht op de winst die de Brusselse private spelers maken in de rusthuismarkt? En twee, gaat u die winsten afromen om ervoor te zorgen dat die middelen kunnen gebruikt worden om het werk te hervaloriseren, om te kunnen voldoen aan de eisen die naar voren worden geschoven door het gemeenschappelijk vakbondsfonds? Ik dank u. Merci, monsieur Busselen. Alors, juste une petite indication par rapport au rapport que vous souhaitez d'Orpea. Nous l'avons reçu aujourd'hui. Donc, on va vous le transmettre peut-être dans la journée déjà. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres demandes, je vais vous céder la parole, monsieur le ministre, pour vos explications. Dank u, meneer de voorzitter. Dank u voor uw vragen. Dus in het kader van een globale hervorming van de sector van de rusthuizen werden meerdere maatregelen goedgekeurd of worden nog besproken om een antwoord te bieden op de problemen rond het absenteïsme en de waardering van de personeelsleden. Dit zijn enkele sleutelelementen van die vooruitgang. Ten eerste zal de toepassing van de IFIC-barema's in de sector van de rusthuizen voor tal van zorgverleners leiden tot een loonsverhoging. Voor de beroepen van verpleeg- en zorgkundigen is de verwachte stijging gemiddeld 7%. Die nieuwe barema's zullen ten laatste in december 2022 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2022 voor de non-profit sector in werking treden. Ten tweede werken we in het kader van de herziening van de erkenningsnormen van de rusthuizen aan de invoering van verschillende maatregelen om de kwaliteit van het beroepsleven van de personeelsleden te verbeteren. Dat gebeurt in overleg met de vertegenwoordigers van de sector. Het gaat over maatregelen om bijvoorbeeld de ontvangst van nieuwe personeelsleden te verbeteren, permanente scholing te ondersteunen enzovoort. Maar in het algemeen de participatie van personeelsleden in acties van de directie te versterken. Ten derde is er, zoals u weet, ook een reflectie aan de gang over de herziening van de omkaderingsnormen van de rusthuizen. Een externe dienstverlener voert momenteel een studie uit. Die studie is gebaseerd op een brede raadpleging van de actoren op het terrein en moet leiden tot een reeks aanbevelingen over de herziening van de omkaderingsnormen van de rusthuizen. De resultaten van die studie worden de komende weken verwacht. En een ontwerpbesluit van de regering over het onderwerp zal deze lente aan mijn kabinet voorgelegd worden. Concernant la question qui porte sur l'accessibilité des fonctions en maison de repos et l'accueil des enfants du personnel des maisons de repos, en tant que ministre de l'Action sociale et de la Santé, les marges dont je dispose sont limitées. On parle ici en effet plutôt de questions relatives à l'emploi et au piège à l'emploi.
On travaille néanmoins avec Iris Kerr à renforcer l'attractivité des emplois en maison de repos, parce qu'on a effectivement pleinement conscience du problème qui se joue à ce niveau. Et comme je viens de le dire, dans le cadre de la révision des normes d'agrément en maison de repos, on œuvre à la mise en place de mesures qui ont pour objectif d'améliorer la qualité de vie des membres du personnel dans ces établissements. Il y a effectivement un saut qualitatif à faire. On soutient également des modèles d'organisation des établissements qui sont basés sur la participation des membres du personnel et des résidents, comme par exemple le modèle TUB. Parce que, outre l'implication des résidents, ce type de modèle accorde une grande importance au management participatif et à l'inclusion des membres du personnel dans la prise de décision. Il y a 10 maisons de repos bruxelloises qui bénéficient actuellement d'un soutien financier d'Iris Kerr et de la Fondation Roboulin pour mettre en œuvre ce modèle. J'ai déjà eu l'occasion de l'aborder ici. Monsieur Busselen, il n'est pas correct de dire qu'il n'y a pas eu de moyens financiers de soutien pour les maisons de repos à Bruxelles suite à la crise Covid. En 2021, juste pour le budget 2021, je me permets de le rappeler, parce qu'en fait, on a déjà évoqué tout ça dans le cadre budgétaire, dans le cadre de nombreuses questions, mais visiblement, ça ne semble pas percolé. Il y a 23 millions d'euros de soutien accordé au secteur des maisons de repos, avec immunisation du financement malgré la perte de fréquentation pour un certain nombre de maisons de repos. C'est donc des moyens effectifs qui augmentent la qualité, puisque les moyens sont garantis, le personnel, la quantité de personnel est garantie, mais il y a moins de personnes dont on doit s'occuper, donc forcément, ça augmente le personnel disponible. 3 millions pour les achats de matériel de protection et 6 millions d'euros pour compenser la perte du prix de la journée. 23 millions d'euros, c'est quand même des montants significatifs de soutien aux maisons de repos en 2021, des soutiens complémentaires à leur budget habituel. Et c'est une décision politique pour soutenir le secteur dans la suite de la crise Covid. Sur l'état des finances des maisons de repos commerciales, il y a des réponses qui concernent Orpea dans le rapport préliminaire qui vous a donc été, enfin, qui a été transmis au Parlement ce matin et que vous allez recevoir. Pour le reste du commercial, on doit demander des chiffres à l'administration, donc je ne peux pas vous les donner ici et maintenant comme ça. Merci, monsieur le ministre. Madame Sab, pour une réplique. Dank u wel. Ik dank de minister voor zijn antwoord. En wij kijken uit naar de studie van de, over de, om, de herziening van de omkaderingsnormen voor de rust- en verzorgingstehuizen. Dank u. Merci. Monsieur Busselen? Ja, ik heb niks gehoord over eigenlijk die winsten. Dus we zitten op een berg geld. Er zijn een aantal bedrijven, maar zo massaal veel winst aan het maken op die sector. En daarnaast heb je de mensen die uitgeput zijn. En wij on œuvre à mettre en place des mesures. Dus we zijn aan het nadenken om mesures te nemen voor iets dat al 10 jaar, 15 jaar wordt gevraagd in de sector. Er wordt al zo lang strijd rondgevoerd. En dus al voor de COVID-crisis komen die mensen op straat om te zeggen, wij kunnen niet meer, wij zitten hier. En dan komt die COVID-crisis. En dan moeten die mensen, want 3 miljoen euro materiële protection, oké, c'est bien. Maar moi, je recevais des photos avec des gens dans des sacs poubelles. Donc, je pense que quand même, peut-être, il y avait un peu un manque de budget pour le matériel de protection. Je vous parle de l'année 2021. J'ose espérer qu'en 2021, vous n'aviez pas de photos de personnel qui protégeaient les sacs. Ah oui, c'est un an plus tard, un an après quand le gouvernement. Le matériel est arrivé juste après la première vague, enfin déjà pendant la première vague, et puis juste ensuite, comme exactement partout en Europe, monsieur Busselen. Mais donc, du coup, quand je dis en 2020, le gouvernement flamand libère 550 millions d'euros d'une façon structurelle pour le secteur. Avec la surmortalité dans les maisons de repos, M. Busselen est bien supérieur en Flandre qu'à Bruxelles, surtout dans les deuxièmes vagues. Donc je pense qu'à un moment, il faut un peu raison garder et arrêter de comparer. Mais apparemment, c'est très difficile de s'écouter. C'est que, en fait, les 23 millions d'euros en 2021 ne sont pas structurels, ne sont pas des moyens qui ont été libérés en 2020. Et donc, le fait que le secteur a été dans les rues pendant plus que 6-7 mois, démontre que, en fait, les moyens que vous mettez sur table sont juste trop peu.
Je vous remercie. Merci, Monsieur Busselin. Alors, à l'ordre du jour, nous avions deux questions de Madame Beaumélé. J'ai une demande de Madame Rochette pour pouvoir poser sa question directement après. S'il n'y a pas trop d'autres députés qui souhaitent, qui sont dans l'urgence, on pourrait mettre Madame Rochette directement juste après pour qu'on puisse la libérer pour son autre réunion. S'il n'y a pas d'objection, voilà, parfait. Donc, Madame Rochette, votre demande d'explication concernant l'aide aux toxicomanes et la prévention des overdoses à des moments clés. Vous avez la parole. Dank u wel, meneer de voorzitter. En bedankt, mevrouw Beaumélé en ook de andere collega's die mij laten voorgaan. Dat is heel fijn, dank u wel. Meneer de minister, weldra opent het eerste druggebruikerscentrum van Brussel Gate haar deuren. La Masse, Maison d'accueil sociosanitaire en Transit zullen deze gebruikersruimte uitbaten. In de ruimte zal altijd zorgpersoneel aanwezig zijn, als ook begeleiding naar sociale en medische hulp. Een van de doelstellingen van de gebruikersruimte is onder andere om het risico op overdosissen te verminderen. Onderzoek toont aan dat druggebruikers het meeste kans hebben op een overdosis wanneer zij ofwel net uit de gevangenis komen of net een zorginstelling in de verslavingszorg hebben verlaten. Ook de jarenlange ervaring die Transit heeft opgebouwd met de opvang voor daklozen met zware drugverslaving toont dit aan. Er schuilt een groot gevaar op een overdosis op het moment dat mensen uit een zorginstelling ontslagen worden of uit de gevangenis vrijkomen. Op deze belangrijke scharniermomenten is specifieke begeleiding en steun onontbeerlijk, om te voorkomen dat mensen vrijwel meteen hervallen in hun oude gewoontes. Ze riskeren een te hoge dosis te consumeren met gevaar voor hun eigen leven. Het is dus enerzijds cruciaal dat mensen met een verslaving adequaat begeleid worden in de zorginstelling en ook tijdens hun verblijf in de gevangenis. En ten tweede is een goede opvang nadien belangrijk om te vermijden dat mensen terug op straat terechtkomen en meteen opnieuw drugs gaan consumeren. Mijn vragen hierover zijn de volgende. Welk beleid voert het college in zaken het verminderen van risico op overdosis op scharniermomenten, zoals ontslag uit de gevangenis of zorginstelling? Is er specifieke ondersteuning en begeleiding voor deze twee groepen? Graag toelichting. Spelen organisaties die gefinancierd worden door IRIS-CARE, zoals het CATS, het MAS, het Medisch Centrum NADEN, het Centre Lauré en het Projet Lama hierin een rol? Zijn er bijzondere maatregelen voor de reïntegratie van de drugverslaafde in de samenleving na zijn of haar verblijf in de gevangenis of zorginstelling? In Brussel opent binnenkort het geïntegreerd centrum druggebruik en de nieuwe gebruikersruimte Gate. Welke andere concrete acties zijn er om druggebruik zo veilig mogelijk te laten verlopen en gebruikers te motiveren om een begeleidingstraject te volgen? Hulpverlening in de gevangenissen valt onder de federale bevoegdheid van de minister van Justitie. Overlegt u hierover met het federaal niveau en wat is het resultaat en zijn er plannen? En mijn laatste vraag, hoe verzekert Brussel dat personen die vrijkomen maar gevoelig zijn voor een drugsverslaving op de radar blijven? Naar welke Brusselse instanties worden ze doorverwezen en welke diensten worden hiervoor ingeschakeld? Ik dank u alvast voor uw antwoorden. Merci, madame Rochette. J'ai également monsieur Verstraat qui souhaite se joindre à cette demande d'explication. Monsieur Verstraat, vous avez la parole. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, de verslavingsproblematiek in ons gewest is helaas redelijk groot, redelijk zichtbaar. Daar is een overlap ook vaak met andere problematieken. We hebben het in een recente commissie ook nog gehad over het probleem van alcoholisme onder daklozen, bijvoorbeeld. En dus moeten we daar adequate antwoorden op formuleren. Wat is verslavingsproblematiek erg vaak, of hoe raken mensen eigenlijk verslaafd in vele gevallen, is dat omdat men in feite andere problemen heeft in het leven, andere zaken die fout lopen. Een bepaald middel wordt een manier om aan die problematiek te ontsnappen, om bepaalde emoties daarover, bepaalde stress daarover stil te leggen. Dat gaat een eigen leven leiden en op den duur wordt de verslaving in feite het enige waar de persoon in kwestie nog mee bezig is. En dat is iets extreem moeilijk om te doorbreken. Daar is adequate zorg, adequate begeleiding voor nodig. De meeste mensen die aan zware verslaving lijden, raken daar niet op eigen houtje terug van af.
Dus die verslaving zelf moet verzorgd worden, maar vaak moet er moet ook voldoende aandacht zijn voor de achterliggende problemen waarom een persoon, om te beginnen, nota bene verslaafd is geraakt. En daar moeten we dus ook adequate beleidsantwoorden op formuleren. Onze gezondheidszorg is in belangrijke mate ook op een publieke manier gefinancierd, aangestuurd, etc. En dus moet het beleid daar mee bezig zijn. En dus vraag ik mij ook af, zoals mevrouw Rochette, welk beleid het college voert in zaken het verminderen van risico op overdosis op die scharniermomenten effectief. Ontslag uit gevangenis, ontslag uit een zorginstelling waar dat risico veel hoger kan worden omdat een deel begeleiding of omkadering wegvalt. Is er specifieke ondersteuning en begeleiding voor die twee groepen? Dus daar heb ik ook graag toelichting over. Spelen organisaties die gefinancierd worden door EasyCare, zoals het CATS, het MASS, het Medisch Centrum in Ardennes, het Centre Loré en het Project Lama daarin een rol? Zijn er bijzondere maatregelen voor de reïntegratie van drugsverslaafden in de samenleving na zijn of haar verblijf in de gevangenis of de zorginstelling? Want de onderliggende problemen die de verslaving veroorzaken zijn daarom nog niet noodzakelijk weg, om het zo te zeggen. En dan natuurlijk hebben we in Brussel binnenkort het geïntegreerd centrum druggebruik en de nieuwe gebruikersruimte Gate die opengaat. Daar is veel om te doen, daar is veel protest over. Het standpunt van mijn partij is gekend. Maar daar is vooral voor mij ook de vraag, welke andere concrete acties zijn er om druggebruik veilig te laten verlopen, oké, tot daaraan toe, maar vooral moet dat gelinkt zijn aan het motiveren van de gebruikers om een begeleidingstraject te gaan volgen, om dat probleem aan te pakken, om ervoor te zorgen dat men uit die verslaving raakt. Dus niet enkel eigenlijk het faciliteren van op een veilige wijze verder verslaafd blijven, maar uit de verslaving raken. Nu, hulpverlening in de gevangenissen die valt onder federale bevoegdheid, minister van Justitie. Hebt u overleg met het federale niveau daarover? Is daar een resultaat over? Wat zijn daar plannen? Werken jullie samen om die opvolging goed te organiseren, omdat daar een spreiding is van bevoegdheden? En een laatste vraag, excuseer dat ik over tijd ga. Hoe verzekert Brussel dat personen die vrijkomen, maar gevoelig zijn voor verslaving, drugsverslaving, op de radar blijven? Dat die niet verdwijnen in de samenleving, maar dat die opgevolgd worden. Naar welke Brusselse instanties worden die doorverwezen en welke diensten worden daarvoor ingeschakeld? Ik dank u alvast voor uw antwoorden. Merci, monsieur Verstraeten. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Dank u, meneer de voorzitter. En dank u voor uw vragen. Zoals u zelf in uw vraag aangaf, valt de problematiek van het justitieel welzijnswerk onder meerdere bevoegdheidsniveaus. Dus, ik zal proberen om u een antwoord te geven over alle niveaus, maar in het bijzonder over wat onder mijn bevoegdheden als gezondheids- en welzijnsminister valt. Wat uw eerste vraag betreft, bestaat er natuurlijk een verschil tussen personen die uit een revalidatieinstelling komen en personen die uit de gevangenis komen. Dat is zo omdat drugsverslaafden in de gevangenis heel weinig zorg krijgen, terwijl ze na een verblijf in een zorginstelling per definitie zorg gekregen hebben en medisch opgevolgd worden door een netwerk dat zo goed mogelijk onderhouden wordt. Gevangenissen zijn een federale bevoegdheid en gezondheidszorg wordt er nog steeds geregeld door het Directoraat-Generaal Penitentiair Inrichten van de Federale Overheidsdienst Justitie, met uitzondering van sociale zekerheid. Sinds de zesde staatshervorming verklaart de federale overheidsdienst Justitie Contactpunten een medische psychosociale steunpunten voor gedetineerden niet langer meer te kunnen financieren. Bijgevolg bestaat er de facto geen specifiek en gespecialiseerde steun meer voor drugsgebruikers in de meeste Belgische gevangenissen. Dat valt echter nog steeds onder hun bevoegdheden en tot op zekere hoogte zijn de justitiehuizen daarvoor bevoegd. Het gebrek aan sociaal, medisch en psychologische opvolging in de gevangenis,
in de gevangenissen, maakt de overgang naar de buitenwereld dus nog moeilijker voor de revalidatiesector van de GGC en de ambulante sector van de COCOF. Het is in die context dat het verhoogde risico op overdosis bij het verlaten van de gevangenis beoordeeld moet worden. Gelukkig slagen sommige door de COCOF erkende actoren op het terrein uit de verslavingssector erin om samen te werken met de gevangenissen in de gevangenis. Anderen zetten zich uitsluitend buiten de gevangenismuren voor die kwestie in. Maar die actoren benadrukken duidelijk de aanzienlijke moeilijkheden die het gebrek aan zorgverlening in de gevangenis en de hefbomen van sociale reïntegratie buiten de gevangenis voor de drugsverslaafde ex-gedetineerd met zich meebrengen. De risicobeperkende gebruiksruimte GATE is sinds 19 april 2022 erkend. Het gaat om een belangrijke concretisering voor de versterking van een risicoverminderend beleid en ze vormt een belangrijke schakel in de hulpverlening aan drugsverslaafden. Met name voor degenen die de gevangenis verlaten, omdat de toegang vrijwilliging en laagdrempeling is. Die innoverende voorziening zou een nuttige ontmoetingsplek moeten zijn voor drugsverslaafde ex-gedetineerden. Met name om hun sociale zekerheid op orde te brengen en weer aan te knopen bij het gezondheidszorgsysteem. De ruimte moet fungeren als toegangspoort tot sociale zekerheid, vandaar de naam GATE. En ce qui concerne le rôle plus spécifique des centres de revalidation au sujet de cette problématique et les éventuelles mesures spéciales pour la réinsertion des ex-détenus, la MAS est chargée de mettre en œuvre le trajet de soins appelé tremplin au sein de la future salle de consommation à moindre risque géré par Transit. Le projet LAMA réalise également des prises en charge et un accueil bas-seuil de nombreux patients. Il sera en principe chargé du volet médical du trajet de soins de la salle de consommation à moindre risque au sein du futur centre intégré prévu pour 2026. Donc ça, c'est la deuxième salle de consommation. Le centre ENADEN, membre de la Fédération bruxelloise des institutions pour les détenus et ex-détenus, utilise les congés pénitentiaires et les sorties autorisées des détenus pour établir un contact et anticiper la sortie de prison. À cela s'ajoute tout le secteur de la réduction des risques en COCOF et plus spécifiquement des maraudes et comptoirs d'échange de matériel à l'égard des toxicomanes. En 2022, les services d'aide aux justiciables en COCOM, cette fois, ont été renforcés à hauteur de 320 000 euros. En ce qui concerne la concertation avec les autres cabinets compétents, un accord de coopération est en train d'être revu. Mais l'administration de la COCOM nous indique que celui-ci est pour le moment bloqué au niveau fédéral et qu'on est en attente de nouveaux inputs depuis fin 21. Il existe néanmoins des groupes de travail qui réunissent les entités fédérées et le fédéral pour approfondir le sujet et établir un nouveau plan stratégique pour les 5 prochaines années. Le transfert de la compétence d'assistance dans les prisons de la direction générale EPI vers la sécurité sociale, donc qui dépend la direction générale EPI qui dépend de la justice vers la sécurité sociale, implique en effet un transfert à la fois vers le SPF Santé publique pour les compétences fédérales et vers les entités fédérées. Les modalités pratiques des transferts sont élaborées dans ces groupes de travail. On peut espérer que ce transfert permette de réaliser des gains significatifs en matière de santé publique, d'une part pour le suivi psychiatrique et psychologique des détenus, d'autre part pour l'organisation et la coordination des suivis des détenus. Dans le cadre de ces concertations, il faut distinguer les détenus qui ont été libérés conditionnellement et de ceux qui ont été à fond de peine et les prévenus.
Pour la première catégorie de détenus, la libération est, comme son nom l'indique, soumise à des conditions qui peuvent prévoir des suivis de différentes sortes, notamment une guidance réalisée par un assistant de justice. Ces conditions sont décidées par le tribunal d'application des peines avec l'accord du détenu libéré et peuvent permettre un suivi minimal qui peut comprendre une dimension médicale. Pour les détenus à fond de peine, qui sortent de prison parce que leur peine est terminée, il n'y a pas de suivi prévu. Cela signifie donc que ces ex-détenus, à moins qu'ils ne se rendent eux-mêmes dans les centres en question, passent effectivement beaucoup plus facilement sous le radar. L'une des difficultés majeures dans ces situations est l'accès au logement. Dans de nombreux cas, ces détenus sont coupés de liens familiaux, voire parfois de tous liens sociaux, n'ont pas de travail forcément, et ont souvent perdu leur accès à la sécurité sociale. Cette situation est une raison évidente et documentée, scientifiquement documentée, d'un éventuel retour à la consommation de produits stupéfiants avec un risque accru d'overdose. Toutefois, le caractère planifiable de la sortie devrait permettre de préparer et organiser la sortie et le suivi de ces détenus. Enfin, pour les détenus prévenus, qui sont donc en préventive, soit environ un tiers des détenus en Belgique, l'une des difficultés est que la date de sortie n'est pas prévisible. Le prévenu est en effet amené devant le juge qui peut décider d'une libération immédiate. Le service médical de la prison ne peut donc pas prévoir la sortie et des détenus ainsi libérés peuvent se retrouver dehors sans aucune solution anticipée. Il faut encore souligner que les personnes qui ne sont pas en ordre de séjour cumulent encore davantage de difficultés dès lors qu'elles sont toxicomanes. On estime par exemple qu'environ 50% des détenus prévenus, donc en préventive à la prison de Saint-Gilles, ne sont pas en ordre de séjour. Ce qui donne une idée de l'ampleur de la question qui doit être traitée. Monsieur Verstraeten, sur les questions pour essayer de motiver les personnes à sortir de leur consommation. Bah, il y a dans tout le secteur de l'aide aux toxicomanes des suivis psychosociaux qui sont assurés, parfois des traitements de substitution qui sont mis en œuvre, notamment dans les centres de validation. La principale chose qui est faite, c'est d'abord de diminuer les risques pour leur santé, et d'abord le risque d'overdose, puis diminuer les autres risques liés à la santé, et puis, quand cela est possible et que ce trajet peut être fait avec la personne, de diminuer leur assuétude et leur consommation, mais ce sont souvent des chemins de long terme si on aborde les choses de manière radicale avec ces personnes. On les perd au niveau de leur suivi. Et donc, le secteur ne fait pas ça, mais ce sont des secteurs qui travaillent avec les personnes victimes de toxicomanie depuis bien souvent des décennies et qui ont acquis une expertise importante de travail avec ces personnes. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Madame Rochette, pour une réplique. Dank u wel, meneer de voorzitter. Bedankt, meneer de minister, voor uw uitgebreid antwoord. Ik geef toe dat er stukken zijn dat ik echt opnieuw ga moeten beluisteren. Want dit was omvangrijk. En zeker als u het ook hebt over het samenwerkingsakkoord waarom gewerkt wordt met justitie en gezondheid. Enfin, het is, ik ga het allemaal een beetje opnieuw moeten beluisteren. Maar wat wel positief is, is dat, dat het probleem ook door u erkend wordt. Hè. En ik denk dat het echt een heel groot probleem is. En GATE gaat in ieder geval veel oplossingen aanreiken. Daar ben ik van overtuigd. Ik ben ook eens op bezoek geweest en dat zit echt heel goed in elkaar. Voilà, ik denk het zal belangrijk blijven dat die... dat die contacten, als mensen uit de gevangenis komen, dat die ergens terecht kunnen. Hè. Het is mensen die maanden of jaren niet geconsumeerd hebben,
En dan plots terug op straat staan en op 1, 2, 3 terug helemaal in die verslaving ervallen. Dat moeten we echt zoveel mogelijk moeten vermijden. En iets anders dat ik denk dat we zeker ook moeten op federaal niveau stimuleren, is dat die gezondheidszorg binnen de gevangenissen, dat zou afhangen van de minister van Gezondheid en niet van Justitie. Maar voilà, dat is dan iets dat we daar misschien kunnen gaan bepleiten. Alvast bedankt voor uw antwoorden en de aandacht die u aan het probleem geeft. Want het is heel groot en omvangrijk in Brussel. Merci, madame Rochette. Monsieur Verschraat ne souhaite pas une réplique. L'incident est clos. Nous allons continuer avec une question orale de madame Beaumélé concernant la sensibilisation au dépistage du cancer du col de l'utérus. Madame Beaumélé, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur le ministre. À l'occasion de la journée internationale de sensibilisation contre le papillomavirus du 4 mars 2022, les hôpitaux de Liège, Sambre et Meuse et de Charleroi, tous trois chargés de la mise en œuvre d'un programme de dépistage organisé en Wallonie, porté par le CHU de Liège et l'ASBL OIS, ont lancé la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du col de l'utérus en Wallonie et à Bruxelles, largement diffusée dans les métros bruxellois notamment. Ce projet initié et soutenu par les ministres de la Santé Christine Morel et Barbara Tracht, selon les chiffres dont nous disposons en Belgique, le cancer du col utérin touche quelque 650 femmes par an. Seules 60% d'entre elles y survivront. Chez les jeunes femmes de 25 à 44 ans, c'est le quatrième cancer le plus répandu. Environ 90% des cancers du col de l'utérus sont causés par une infection par un HPV, les papillomavirus humains. Pour diminuer les risques, le dépistage du cancer du col de l'utérus est accessible gratuitement pour les femmes en ordre mutuel entre 25 et 64 ans. Il s'adresse également aux femmes vaccinées contre les papillomavirus humains. Alors, je voulais savoir, monsieur le ministre, si vous disposez de chiffres concernant le taux de vaccination du cancer du col de l'utérus à Bruxelles. Si oui, est-il possible de ventiler les données en fonction des différentes tranches d'âge? Que faites-vous spécifiquement dans le cadre de vos compétences concernant le cancer du col utérin? Je parle bien des mesures ciblées. Et dans quelle mesure la région bruxelloise finance-t-elle OIS? L'association reçoit-elle des subsides structurels? Est-il possible de faire dans tous les plannings familiaux bruxellois des tests de dépistage et le vaccin contre le cancer du col de l'utérus? Le test cytologique est recommandé pour les femmes de moins de 30 ans, car les jeunes infectés par l'HPV ont plus de chances que le système immunitaire élimine naturellement le virus après quelques mois. Par contre, pour les femmes de 30 ans et plus, le test HPV est plus performant pour détecter le cancer du col de l'utérus. En 2021, un dépistage avec le test cytologique était remboursé une fois tous les 3 ans. En revanche, le test HPV, qui permet de mieux détecter ce cancer, n'était pas remboursé, sauf si un test cytologique montrant des anomalies avait été effectué au préalable. Une des demandes de la Fondation contre le cancer, justement, était de permettre le remboursement à l'instar d'autres pays européens. Je voulais savoir à ce jour qu'en était-il. Je vous remercie pour vos réponses, monsieur le ministre. Merci, madame Beaumélé. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour les réponses. Merci, monsieur le président. Merci, madame Beaumélé. La vaccination des personnes mineures entre 13 et 14 ans contre le HPV relève des compétences des entités monocommunautaires, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Vlaamse-Gemeenschap, et se réalise dans le cadre scolaire via les services de promotion de la santé à l'école. Le rapport du KCE, paru en 2019, indique que la couverture vaccinale en Fédération Wallonie-Bruxelles était estimée entre 36 et 50% en 2017, alors que la couverture vaccinale en Flandre était de 91% en 2016. Une nouvelle enquête de couverture vaccinale a été menée en 2019-2020 en Fédération Wallonie-Bruxelles chez des élèves de deuxième secondaire. Le résumé de cette enquête a été publié ce 9 février dernier. Il indique que le taux de couverture vaccinale pour le HPV est de 47,6%. Ce résumé souligne l'importance de mettre en place un registre vaccinal qui centralise toutes les données vaccinales des différents vaccinateurs, les services de santé à l'école, l'ONE, des acteurs privés, afin d'éviter
le phénomène de perte de données et de statut vaccinal inconnu qui constitue un tiers de l'échantillon. Donc, il n'est pas exclu en fait que des personnes se soient fait vacciner en dehors des services et que donc le pourcentage soit sous-évalué. En Flandre, une nouvelle enquête de couverture vaccinale était prévue pour fin 2021. Nous ne disposons pas d'informations concernant la vaccination chez les personnes de plus de 18 ans. Il n'y a pas d'études comparatives qui ont été réalisées pour expliquer la différence du taux de couverture vaccinale entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Flandre. Ceci dit, la RTBF a publié un article en novembre dernier qui évoquait différentes hypothèses. L'influence de la France ou la couverture, l'influence négative de la France, où la couverture vaccinale est encore moins élevée qu'en Belgique francophone, les différences entre les centres de promotion de santé à l'école qui n'ont pas tous directement adhéré à cette vaccination, le manque d'information des médecins traitants, des parents et des jeunes au sujet de la vaccination elle-même, mais également par rapport aux infections et aux cancers qui y sont liés, ce qui entraîne une réticence à la vaccination. Concernant vos questions sur le dépistage du cancer du col, Bruprev, l'ASBL chargée d'organiser le dépistage et la prévention des cancers en région Bruxelles-Capitale, a entamé la construction d'une page Internet dédiée au dépistage du cancer du col de l'utérus qui sera prête sous peu. Actuellement, il s'occupe du dépistage des cancers du sein et du cancer colorectal. À Bruxelles, il n'existe actuellement pas de programme de dépistage du cancer du col de l'utérus organisé. Le dépistage par frottis se fait de manière spontanée et individuelle et il est remboursé tous les 3 ans. Par contre, ma collègue Barbara Tracht a financé en COCOF une large campagne d'information et de sensibilisation via l'ASBL OIS qui a démarré en mars, juste maintenant, donc pour sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage via frottis et de la vaccination contre le HPV. Concernant vos questions sur le test HPV pour les plus de 30 ans et son remboursement, le rapport du KCE de 2015 permet de mettre en évidence la plus-value de l'utilisation de tests HPV au lieu de l'examen cytologique PAP test. Une réflexion est actuellement menée au sein du groupe de travail intercabinet consacré à la prévention, mis sur pied dans le cadre de la conférence interministérielle santé publique. Ce groupe est chargé d'élaborer un plan d'action décrivant la mise en œuvre de la transition prévue par la conférence interministérielle santé en 2018. En effet, à l'époque, sur base de preuves scientifiques, la CIM a pris la décision de passer de l'examen cytologique, le frottis conventionnel, au test HPV pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Pour les femmes âgées de 30 à 64 ans, un test HPV est prévu tous les 5 ans. Pour celles âgées de 25 à 29 ans, un examen cytologique reste à indiquer tous les 3 ans, car dans cette tranche d'âge, de nombreux résultats faussement positifs sont attendus avec le seul test HPV. Concernant vos questions sur la vaccination dans les CPF, tous les vaccins faisant partie des programmes de vaccination des communautés peuvent être commandés gratuitement par les professionnels de la santé qui pratiquent la vaccination et participent au programme de vaccination. Les professionnels qui travaillent au sein des CPF, donc des centres de planning familial, sont donc concernés. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Beaumélé, pour une réplique. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses complètes. Et je voulais juste relever deux petits points. Vous avez dit que la Flandre, justement, avait un taux élevé de vaccination. Vous avez suggéré l'hypothèse de la RTBF. Voilà, ce sont juste des hypothèses. Mais pensez-vous, vous pas, que ce serait quand même mieux d'aller au-delà de ces hypothèses, comme c'est quand même quelque chose de très important d'initier une recherche scientifique pour qu'on puisse savoir pourquoi en Flandre le taux de vaccination est plus élevé. Parce que là, on n'a que des hypothèses et je pense que ce n'est pas suffisant. Et puis, vous dites comme ça que, bon, il n'y a pas vraiment un programme pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est une bonne chose déjà que la ministre Barbara Tracht suscite la sensibilisation, c'est une bonne chose, mais que les dépistages, en général, ce sont individuels. Je pense que là aussi, ça serait quand même important aussi de pouvoir aussi mettre en place un programme au-delà de la sensibilisation pour que tous les jeunes femmes puissent avoir accès justement à ce dépistage. Je vous remercie pour vos riches réponses. Merci, Madame Beaumélé. Nous restons avec vous pour une autre question orale
concernant le syndrome des ovaires polykystiques. Madame Bomélé, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour ce monologue. J'espère que ça ne va pas vous fatiguer de m'écouter tout le temps. Voilà, Monsieur le Ministre, le syndrome, et puis excusez-moi de toujours revenir avec ces problèmes de santé au féminin, mais je trouve que c'est vraiment important, ça touche vraiment les femmes, et on voit aussi, voilà, quand on arrive à un âge où on veut justement avoir des enfants, ça crée des fertilités, et c'est dommage de passer, merci. Voilà, je me sens concernée parce que je suis une femme, voilà. Le syndrome des ovaires polykystiques, également connu sous le nom de SOPK, est la pathologie endocrinienne la plus fréquente chez les femmes en âge procréé et toucherait 5 à 10% d'entre elles. Très courant, le SOPK se caractérise par une quantité anormalement élevée d'hormones mâles dans les ovaires. Ce syndrome modifie la croissance des follicules dans les ovaires et empêche la bonne production des ovules, ce qui peut engendrer l'augmentation du volume des ovaires. Les conséquences sont nombreuses, comme j'ai dit tout à l'heure, troubles de fertilité, cycle menstruel irrégulier, hyperpilosité et autres complications métaboliques associées comme le diabète ou l'hypertension. Dans sa forme complète, le SOPK entraîne une absence d'ovulation et donc une impossibilité de tomber enceinte. En décembre 2013, la Société américaine d'endocrinologie publiait des recommandations pour le diagnostic et la prise en charge de cette pathologie suivie par la Société européenne d'endocrinologie. En 2014, le diagnostic du SOPK, comme proposé dans les recommandations susmentionnées de 2013, se base sur au moins deux des trois critères de Rotterdam, à savoir l'hyperandrogénie clinique, l'hyperpilosité, acné, alopécie, androgénie ou biologique. Une ovulation irrégulière ou absente et l'aspect morphologique des ovaires à l'échographie par voie vaginale. L'importance de chacun de ces critères est toutefois sujet à débat en raison de la grande hétérogénéité phénotypique de cette entité clinique. À ce jour, il n'existe aucun traitement pour le SOPK et seuls les symptômes peuvent être soignés. En Belgique, il y a une absence totale de données sur le SOPK et c'est la première fois que le sujet est abordé au sein de ce Parlement et au sein d'un Parlement belge tout court. Aussi, malgré le grand nombre de femmes atteintes du SOPK, cette affection reste incomprise et souvent non diagnostiquée. Un diagnostic en temps opportun ainsi qu'un suivi adéquat ont un impact important sur la gestion des symptômes du SOPK. Ainsi, je voulais savoir, dans le cadre de vos compétences et celles de la COCOM, des actions spécifiques sont-elles menées au sein du SOPK, notamment dans la dispensation de soins et via la médecine préventive? Disposez-vous de données sur les femmes atteintes du SOPK à Bruxelles? Est-il possible de faire un état des lieux concernant la prise en charge en hôpital? Existe-t-il des études belges réalisées au sujet du SOPK? Certaines sont-elles en cours? Depuis peu, l'UZ Bruxelles assure des soins multidisciplinaires pour les femmes atteintes du SOPK avec sa clinique du SOPK. Les avez-vous déjà rencontrés? Quels autres hôpitaux bruxellois sont spécialisés dans la prise en charge du SOPK? Est-ce qu'il existe un guide des bonnes pratiques au sujet de la prise en charge du SOPK à destination du monde médical et du milieu de la santé au sens large? Dans quelle mesure les plannings familiaux sont-ils sensibilisés à cette thématique? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Madame Bomélé. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour les réponses. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Bomélé. Alors, comme déjà évoqué pour la question de la drépanocytose évoquée la semaine passée, la COCOM ne développe pas d'action spécifique pour le dépistage et la prise en charge de maladies en particulier et donc pas non plus pour le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. La région dispose d'un réseau d'hôpitaux de pointe en mesure de prendre en charge les problèmes de santé les plus complexes, y compris, bien entendu, des problèmes comme ceci, donc de prendre en charge les femmes qui souffrent de ce type de syndrome. Je ne dispose pas de données sur les femmes atteintes de SOPK à Bruxelles, dans la mesure où l'enregistrement de l'activité des hôpitaux se fait en fonction des actes et non en fonction des maladies. Il n'est pas possible de se baser sur le résumé hospitalier minimum pour faire ce cadastre. Du reste, cela ne concernerait que les hospitalisations. La COCOM n'est pas impliquée dans des études relatives au SOPK et je n'ai pas d'informations quant à des études en cours au niveau belge. La prise en charge multidisciplinaire devient de plus en plus la norme pour les pathologies complexes, comme par exemple les SOPK, qui relèvent à la fois de la gynécologie et de la médecine interne. Et c'est évidemment une bonne chose que les approches multidisciplinaires s'imposent progressivement. On essaie de les promouvoir partout où on peut dans nos compétences sociales santé.
Je me réjouis que l'UZ ait officiellement lancé cette initiative de prise en charge multidisciplinaire des SOPK. Et bien que je ne dispose pas de cadastre en la matière pour les hôpitaux bruxellois, je ne doute pas qu'eux aussi ont mis en place des approches multidisciplinaires. Je n'ai pas connaissance des outils utilisés par les médecins pour maintenir leurs connaissances à jour. L'accréditation, qui est l'outil de contrôle, notamment de la formation continue, est une compétence qui est restée fédérale. Alors, une des caractéristiques positives de notre époque, c'est évidemment la forte disponibilité des ressources à travers Internet et la possibilité pour chaque praticien d'accéder à des informations vérifiées auprès des sociétés scientifiques européennes, voire américaines ou d'autres régions du monde aussi. Nul doute que la plupart des médecins confrontés à ces problèmes se tiennent à jour sur ces questions. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Beaumélé, pour une réplique. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. Effectivement, c'est vrai qu'Internet, par exemple, l'Université de Melbourne, par exemple, qui a mis en place des brochures. Bon, ça serait aussi une bonne chose parce que c'est adressé au grand public, mais aussi au personnel médical. Peut-être pas, pourquoi pas utiliser cette brochure-là pour essayer un peu de répondre à la bonne nouvelle. Ça serait une bonne chose. Et on sait aussi que les femmes qui ont des cycles menstruels irréguliers ont souvent le SOPK sans le savoir et elles prennent la pilule pour réguler leur cycle menstruel. Et c'est seulement quand elles arrêtent de prendre la pilule parce qu'elles veulent avoir des enfants, c'est à ce moment-là qu'elles se rendent compte qu'elles sont en infertilité et qu'elles découvrent que justement qu'elles ont le SOPK. Donc c'est quand même important de pouvoir quand même diffuser cette information à travers cette brochure. Je trouve que c'est quand même important. Je comprends qu'on ne peut pas non plus étudier toutes les maladies qui existent. Hein. Vous avez tout à fait raison. C'est assez complexe. Mais on sait aussi, par exemple, pour les jeunes femmes qui sont en surpoids, en général, elles ont aussi des problèmes de SOPK. Alors, ça serait aussi pas mal de pouvoir associer dans la gestion du surpoids, justement, les problèmes gynécologiques aussi, pour qu'on puisse les détecter à temps. Ça serait quand même une bonne chose. Et effectivement, vous avez parlé du fédéral. C'est bien. Je pense que ça serait aussi bien qu'il y ait une collaboration avec le fédéral pour qu'il puisse mettre ce SOPK à l'agenda. Parce que c'est quand même leur compétence de gérer quand même les maladies. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Madame Beaumélé. Nous continuons nos travaux avec une question orale de Madame Chabert concernant le surendettement des mamans solo. Madame Chabert, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vous prie de m'excuser pour le retard. J'étais en commission logement. Je ne vous raconte pas ce qui se passe là-bas. C'est assez incroyable, mais... Bref, racontez-nous alors, parce que vous nous mettez l'eau à la bouche. Trop, hein. Moi, je ne sais pas, 30 secondes dans le logement. Mais si vous pouviez discuter avec votre homologue président de commission, je pense que ça pourrait être intéressant de... Enfin, waouh. Enfin, d'où mon retard, mais je suis au courant, parce que c'était vraiment incroyable. Donc, il y avait des gens dans le public qui ont harcelé la secrétaire d'État en pleine réponse de questions. Je trouvais ça incroyable. Voilà. Donc, j'étais dans... À ce moment-là, en plein... Donc, oui, je suis revenue vers vous, Monsieur le Ministre, par rapport à une carte blanche qui a été publiée dans le soir du 5 mars 2022 par le collectif qui s'appelle l'Odyssée des mères célibataires. C'est un collectif qui regroupe des mamans solo qui se battent contre la précarité financière, mentale, organisationnelle, auxquelles elles font face tous les jours. Alors, parmi ces difficultés qu'elles évoquaient dans cette carte blanche, il y a évidemment le non-versement des contributions et des pensions alimentaires. C'est un vrai problème majeur. Bon, c'est du fédéral, mais c'est un vrai problème pour ces personnes qui sont, ces mamans qui sont privées d'une source de revenus qui leur est due et qui parfois les plongent dans des situations de grande précarité et notamment de surendettement. C'est là où je veux en venir. Alors les chiffres, même si ce sont des chiffres français, on pense qu'ils sont assez représentatifs aussi de la situation ici. En France, on voit que les mères seules représentent 29% des femmes surendettées. 29%, c'est quand même énorme. Et par dette, il faut entendre pas uniquement les crédits liés au logement, mais ça peut être aussi l'achat d'une voiture et des dettes beaucoup plus liées à des dépenses de la vie courante. Achat d'électricité, les fournitures scolaires, la cantine, voilà, des choses vraiment essentielles et élémentaires pour élever un enfant. Et cette situation fait peser sur ces mères et donc sur ces enfants une pression qui est terrible et qui parfois entraîne des conséquences désastreuses sur tous les aspects de la vie, y compris sur l'éducation et les conditions pour grandir de ces enfants.
Et je faisais aussi le lien avec une étude qui a été publiée très récemment, au mois de mars dernier, par Camille Fortunier et Andrea Rea, qui sont chercheurs à l'ULB et qui analysaient les impacts de la pandémie du Covid sur les personnes invisibilisées. Et ils ont identifié 6 groupes de personnes invisibilisées. Et parmi ces groupes, il y a justement un groupe qui est constitué de familles monoparentales. Et dans les recommandations établies par ces 2 chercheurs de l'ULB, ils insistent sur la nécessité de poursuivre les dispositifs d'aide aux familles parentales face à l'endettement. Donc, ils pointent justement cette question de l'endettement. Et à ce propos, on sait que les CPS, dont je rappelle l'objectif est de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine, les CPS ont un rôle à jouer, et notamment celui de permettre à ses parents solos, ses mères, de respirer un peu financièrement, et donc permettre à leurs enfants de grandir dans des conditions un peu plus sereines et de se développer dans un environnement un peu plus stable. Et donc ça fait vraiment partie des missions du CPS, notamment au travers du service de médiation de dette. C'est pour ça que je vous questionne, vous, monsieur le ministre. Avez-vous des retours de la part des acteurs des CPS sur la proportion de ces mères seules avec enfants qui font appel au service de médiation de dette? Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la part du budget aussi des CPS qui est affectée à ce soutien financier de ces mères seules avec enfants? Est-ce que ces mères seules avec enfants surendettées, donc là on est vraiment sur un groupe très très particulier, font l'objet d'une attention particulière de la part des CPS ou de votre action en général? Dans l'attente d'une réforme de la loi, donc fédérale cette fois-ci, relative au règlement collectif de dette, avez-vous connaissance de savoir si les CPS qui offrent des accompagnements individualisés aux personnes en médiation de dette, est-ce que ces services prennent en considération la situation très particulière de ces femmes qui le disent, il faut les entendre, elles ont besoin de souplesse, notamment pour faire face aux dépenses liées à l'éducation de jeunes enfants. L'éducation d'un enfant, c'est une fois, hein, donc il y a des moments à ne pas rater, et donc tout ça manque de souplesse quand on les entend. Quelles sont les mesures qui permettent de poursuivre, donc là je cite, poursuivre les dispositifs d'aide aux familles parentales face à l'endettement, comme c'est prévu par le rapport des chercheurs que je citais, la chercheure Andrea Rea et Camille Fortunier. Et enfin, de manière plus générale, est-ce qu'une réflexion est en cours sur la possibilité d'initier une politique qui prend en compte les spécificités de ce groupe au sein des CPS, qui rencontre des difficultés organisationnelles, conjointes à des responsabilités écrasantes et qui appelle des aménagements, me semble-t-il, par rapport à d'autres situations de personnes endettées qui ne seraient pas des personnes seules avec enfants? Je vous remercie déjà pour vos réponses. Merci Madame Chabert. Monsieur le ministre, je vous cède la parole pour vos réponses. Merci Monsieur le Président. Merci Madame Chabert. À l'aide des données de l'enquête EUCIL, qu'on peut disposer d'une approximation du nombre et de la proportion de personnes ayant des difficultés de remboursement de leurs dettes pour leurs besoins de base par type de ménage. On peut constater que c'est au sein des familles monoparentales que les problèmes d'endettement sont les plus importants. Près d'un cinquième, 19% de ces familles, de ces ménages, ont au moins 2 arriérés pour un ou plusieurs besoins de base, facture d'électricité, d'eau, gaz, loyer, emprunt hypothécaire, soins de santé, etc. Ce sont les chiffres pour la région de Bruxelles-Capitale. En région de Bruxelles-Capitale, 64 258 familles monoparentales figurent au registre de la population. Ainsi, parmi elles, 19% sont en situation de surendettement, ce qui correspond quand même à 12 200 familles monoparentales qui ne parviennent pas à assurer le paiement de leurs factures dans les temps. Dans la plupart des cas, leur situation de surendettement est la conséquence directe de situations de pauvreté. D'autres chiffres indiquent en effet l'ampleur de la pauvreté parmi les familles monoparentales, créant ainsi un contexte favorisant le surendettement qui va encore dégrader la situation du parent seul et de ses enfants. Les conséquences du surendettement sont majeures, avec des impacts sur tous les domaines de la vie, pouvant engendrer une dégradation rapide des conditions de vie, de la détresse sociale, psychologique, un parcours du combattant au niveau administratif, judiciaire, etc. Ce faisant, en fait, le surendettement peut amener à une sorte de perte de liberté et l'ineffectivité de certains droits fondamentaux, puisque, comme vous le savez, même si on travaille sur toutes ces matières, il peut être question de saisie sur salaire, saisie immobilière, coupure d'énergie et coupure d'eau, expulsion du logement, même si vous savez qu'à la fois sur les coupures et sur les expulsions,
le gouvernement prend un certain nombre de décisions et a pris un certain nombre de décisions. Autant de conséquences qui aggravent déjà, évidemment, des situations de vie précaires. Au sein des familles monoparentales, pas moins de 46% disposent d'un revenu inférieur au seuil de pauvreté, soit 29 559 familles. Ce taux de pauvreté élevé est entre autres lié à la situation défavorable des familles monoparentales sur le marché du travail. Seulement un tiers des parents seuls avec enfants ont un emploi au sein de la région. Pour la région de Bruxelles-Capitale, un tiers des parents seuls avec enfants ont un emploi, qu'ils soient au sein de la région ou en dehors de la région. Le loyer pèse lourd dans le budget des familles monoparentales. 28% présentent une surcharge du coût de leur logement dans leur budget. C'est un coût qui représente plus de 40% de leurs revenus disponibles. Et environ 46% de ces ménages vivent dans un logement considéré comme surpeuplé, trop petit au regard de la taille du ménage. Par rapport à votre question, de savoir s'il y a une hausse du nombre de familles monoparentales en situation de surendettement depuis la crise, il n'existe pas de données pour connaître de manière précise la part des mamans solo, par exemple, qui font appel au service du CPS pour tout type d'aide, mais le surendettement augmente de manière générale sur la base des échos du terrain, du fait de la baisse des revenus rencontrés par une partie importante de la population à cause de la crise Covid et des suivis. Environ 30% des Bruxellois déclarent des pertes de leurs revenus suite à la crise sanitaire. On voit maintenant à quel rythme la situation se rétablit, puisqu'on en sort quand même progressivement, mais on n'est pas tout à fait sorti. L'étude de l'Observatoire de la santé et du social portant sur 4 services de médiation de dette indique que 62% des publics ayant recours à ces services sont sans emploi. Parmi les familles monoparentales, le pourcentage grimpe à 72%. On peut estimer que 3/4 des familles monoparentales surendettées sont donc sans emploi, environ. Le taux de risque de pauvreté est particulièrement élevé parmi les personnes qui vivent dans un ménage sans emploi ou avec une faible intensité de travail. Or, sur le marché de l'emploi, sur le marché du travail bruxellois, le taux d'activité 43% et le taux d'emploi 31% sont particulièrement bas pour les familles monoparentales. De même, les familles monoparentales représentent 1/4 des personnes surendettées et qui font appel au service de médiation de dette. Surreprésentation très importante. Au niveau des bénéficiaires RIS, 23% sont des parents seuls avec enfants des familles monoparentales. Donc, c'est une surreprésentation 2 fois plus importante que dans la population générale. 2 fois plus. Un pourcentage qui reste stable ces dernières années néanmoins. En revanche, en nombre absolu, le nombre augmente, mais c'est à l'instar des autres catégories familiales. On ne peut pas donc dire qu'il y a eu une augmentation spécifique pour les familles monoparentales. 90% des bénéficiaires de revenus d'intégration sociale en situation de monoparentalité sont des femmes. Un pourcentage qui est stable, là aussi, depuis plusieurs années. Donc, quand je dis stable, c'est-à-dire qu'il ne diminue pas. Ça reste 90%. On retrouve le plus grand nombre de familles monoparentales dans les CPS de Schaerbeek, Anderlecht, Molenbeek et Bruxelles-Ville. Avec les appels à projets qui ont été lancés, avec les moyens complémentaires dont les CPS ont bénéficié, on sait que des CPS ont développé des projets à raison de plus de 700 000 euros spécifiquement à destination des familles monoparentales ou afin de lutter contre la pauvreté infantile et juvénile. Dans le contexte des aides directes en 21, certains CPS ont ciblé au début de l'année une série d'aides complémentaires. Il y avait de l'aide alimentaire, aide fracture numérique, aide loyer spécifiquement pour les familles monoparentales. Cependant, très rapidement, effectivement, les CPS sont revenus à des politiques généralistes de lutte contre le non-accès aux droits pour tout public en général, en gardant une attention particulière pour les familles monoparentales. Les services de médiation d'aide des CPS et ceux associatifs agréés par la COCOM, mais aussi par la COCOF, prennent évidemment en compte la situation particulière de chaque personne, avec des accidents de la vie, des décès en toutes circonstances particulières, dans le cadre d'un dossier social. Il est donc évident qu'ils tiennent aussi compte des dépenses liées à l'éducation des enfants, le budget alimentation pour des adolescents, Dieu sait si ça mange, ou des bébés, ou tout autre point important, vous le savez aussi, hein, dans le suivi de la situation d'endettement, et ça inclut pour les familles monoparentales. Alors, la carte blanche du journal Le Soir du 5 mars, qui relaie l'appel du collectif L'Odyssée des mères célibataires
date de 1921-1922, mais ça ne change pas grand-chose. Depuis un an, la situation, malheureusement, a continué à être difficile pour ces publics. Il n'y a pas d'évolution positive. On va voir ce qui se passe maintenant dans les prochains mois, mais il n'y a pas d'évolution positive. Pour répondre à une autre de vos questions, les mesures que préconisent le rapport des chercheurs Andrea Rea et Camille Fortunier de l'ULB permettant de poursuivre les dispositifs d'aide aux familles monoparentales face à l'endettement, c'est justement le budget exceptionnel des 30 millions, puis des 20 millions en 22 à destination des CPS qui a permis d'octroyer au moins 5 400 000 euros en aide sociale complémentaire ainsi qu'en projet pour les CPAS. Les CPAS ont effectué des campagnes et des projets spécifiques liés au non-accès aux droits pour tout type de population, mais toujours en incluant les familles monoparentales. Vous savez aussi que la région s'est dotée d'un plan d'action spécifique pour les familles monoparentales, mais vous le connaissez par cœur, avec 31 mesures concrètes qui reposent sur 5 piliers et que nous connaissons, que nous commençons ou continuons évidemment à mettre en œuvre. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Chabert, pour une réplique. Merci, Monsieur le Ministre. C'était assez détaillé au niveau des chiffres. Ça allait vite, donc je prendrai le temps de lire au calme, à tête reposée, tous ces chiffres. En tout cas, ils confirment qu'il y a vraiment... on est face à un public qui cumule les difficultés et la surreprésentation dans les situations de vulnérabilité et notamment cette question de l'endettement me semble vraiment énorme. Alors notamment sur les questions liées à l'emploi et au logement, trois quarts des parents solo surendettés sont sans emploi. Je trouve ça ceci explique cela aussi, mais c'est quand même énormissime. Sur les questions de logement, c'était précisément là-dessus que j'interrogeais la secrétaire d'État au logement, sur les mesures prévues pour les parents solo, notamment pour les aider suite à une séparation, etc. Alors après, pour les aides complémentaires et le soutien des CPAS, j'entends, je sais qu'il y a eu des budgets dégagés, ce que disent ces familles, je pense que c'est ça qui est vraiment important de relayer, c'est la nécessité d'avoir cette souplesse, c'est que leurs enfants n'ont qu'une enfance. Rater un événement comme celui d'un anniversaire important, c'est une fois dans la vie de cet enfant. Et quand les services de médiation de dette ne leur autorisent pas un écart de 30 euros pour inviter leurs enfants à manger un quick, c'est un traumatisme pour l'enfant. C'est une tragédie et une culpabilité dans la vie de ses mères qui non seulement ont des contributions pas payées, mais en plus souvent épongent les dettes de leur ancien conjoint. Et donc voilà, je pense que ça reste un public, ça doit être un public vraiment auquel on a la plus grande attention et des mesures ultra ciblées parce que ce qui se passe au niveau de la reproduction de la pauvreté est terrible. Et ce sont des vies en fait qui sont l'endettement, c'est un sentiment d'étouffer chaque jour. Pour ses mères, et évidemment, ça passe au niveau des enfants, donc malgré tous leurs efforts. Donc voilà, je pense qu'il faudra continuer à suivre ça et à encourager tous les dispositifs d'accompagnement d'aide des CPAS pour la plus grande souplesse. Merci. Merci, Madame Chabert. Nous continuons notre ordre du jour avec une question orale de Monsieur Busselen concernant les éventuelles irrégularités dans les maisons de repos de l'opérateur Korian. La parole est à vous. Merci, monsieur le Président. Geacht collegelid, we hebben het al gehad over de verwaarlozing en mishandeling van de residenten in de woonzorgcentra van Orpea, na de verschijning van het boek Les Fossoyeurs. Maar een reportage van Cash Investigation op TF2, uitgezonden op 1 maart, doet vermoeden dat die onregelmatigheden ook bij Korian uitbater plaatsvinden. Dus... In de reportage legt Samuel Royer, ex-directeur van een Korean woonzorgcentrum, uit hoe er wordt gerantsoeneerd op voedsel. Hij zegt, het budget dat aan een bewoner wordt toegekend voor ontbijt, lunch, middagsnack, avond, maaltijd en snack en drankjes, mag niet meer bedragen dan 4,35 euro. Om dit streefcijfer van 4,35 euro te halen, wordt alles tot op de gram nauwkeurig gekwantificeerd en gewogen. Wie zijn objectief niet haalt, en dus ik denk dat het daar heeft over de objectieven van rentabiliteit, die kan represailles verwachten
van het hoofdkantoor. Bij Korian is er zelfs een traditie, de flop 5, le flop 5. De directeurs die toch te veel uitgeven, worden in het bijzijn van alle collega's vernederd. En dus ja, als een soort van losers in een hoekje gezet, verklaart de heer Wayet. En dus dat gaat hier over instituties die onze ouderen verzorgen. De journaliste van Cash Investigation laat zich door Korian aannemen in een woonzorgcentrum. Ze zegt openlijk aan nieuwe collega's dat ze eigenlijk geen diploma heeft als verpleegkundige. En blijkt dat ze ook niet de enige is. Toch zal ze taken uit moeten voeren die eigenlijk enkel door gekwalificeerd personeel mag uitgevoerd worden. Verder blijkt er uit de reportage dat een beginnend zorgkundige amper aan 10 euro per uur begint te werken. Ver onder het minimumuurloon van 14 euro. 14 euro dat de vakbonden naar voren schuiven. Het gaat over een onderzoek in Frankrijk. Maar Korian telt in België ook rusthuizen en het is een grote speler. Ze staan in voor ongeveer 13.000 bewoners in 120 voorzieningen, waarvan 14 woonzorgcentra in Brussel. Zelfs in het boek van Castanet gaat hij een heel hoofdstuk in op Korian. Korian krijgt op een bepaald moment door dat Orpea een superverdienmodel heeft en kopieert dat. En dus mijn vragen zijn de volgende. Wordt er hier in Brussel eten gerantioneerd in de woonzorgcentra van Korian? Kan u bevestigen dat de inspecties van hygiëne en kwaliteit een dergelijke wanpraktijk kunnen vaststellen? Heeft u Infohome klachten horen ontvangen over rantsonering van voedsel? Wat doet u om dergelijke rantsoneringen te verbieden? Heeft u weet van praktijken waarbij niet gekwalificeerd personeel taken uitvoert voor gekwalificeerd personeel? En hierbij zou ik misschien, als dat mogelijk is, ook de omgekeerde vraag willen stellen. Dus van gekwalificeerd zorgpersoneel dat taken uitvoert voor niet gekwalificeerd personeel. Want dat is iets wat ik opvang in verschillende woonzorgcentra. Dat is dat gekwalificeerd personeel dat gesubsidieerd wordt, onder andere door de Maribel-fondsen federaal, wordt ingezet voor niet gekwalificeerde jobs. Logistiek, de keuken enzovoort. En dan ten laatste, wat is het minimumloon, excuseer mij, van een beginnend zorgkundige bij Korian hier in België, in Brussel. Dank u. Merci, monsieur Busselen. Monsieur le ministre, je vous cède la parole pour vos réponses. Dank u, meneer de voorzitter. Dank u, meneer Busselen. Tijdens de inspecties wordt nagegaan of alle normen die verband houden met voeding worden nageleefd. Deze hebben onder meer betrekking op de bereiding en bewaring van de eetwaren, het voedsel dat gezond en gevarieerd moet zijn en aangepast moet zijn aan de gezondheidstoestand van de bejaarde persoon. De schriftelijke voedingsprogramma's die toegepast worden voor de voortijdige opsporing van de ondervoeding en de deshydratatie en de opvolging van de ondervoede en uitgedroogde bejaarde persoon, de opvolging van de door de arts verschreven diëten en enterale voeding. Voor elke bejaarde persoon moet een medisch dossier worden bijgehouden dat meer onder meer informatie zal verstrekken over 1. De regelmatige gewichtscontrole, 2. De regelmatige controle op mond- en tandhygiëne met inbegrip van tandprothese, 3. Duidelijke tekenen van risico op ondervoeding, meer bepaald in geval van ziekte. Informatie die wordt bezorgd aan de behandelende arts of aan de diëtist. De inspecties laten ons niet toe de kostprijs van de maaltijden per instelling te berekenen. Iriscare ontving sinds 2019 zes klachten in verband met voeding. Indien uit een eerste analyse van de klacht blijkt dat deze gegrond lijkt, wordt ze gevolgd door een inspectie ter plaatse. In het jaarverslag van 2021 vermeldt Infohome oproepen te hebben ontvangen over tekortkomingen in verband met de kwaliteit van de maaltijden.
de inachtname van de specifieke diëten, deshydratatie en luiers die niet frequent genoeg worden vervangen. In sommige oproepen werd ook melding gemaakt van een gebrek aan aandacht. Bijvoorbeeld een gebrek aan hulp bij het eten of het gebruik van luiers voor personen die niet incontinent zijn. Indien nodig verwijst Infohome de persoon naar de klachtendienst van IrisCare. Wanneer uit de eerste analyse van de klacht blijkt dat die gegrond is, volgt er een inspectie ter plaatse. In het kader van de lopende hervorming reorganiseren wij de inspectieregels en zetten wij een ondersteuning op voor de instellingen naast de controles om de opvolging van deze klachten te verbeteren en reële veranderingen in de praktijken door te voeren. In het kader van de herziening van de erkenningsnormen voor rusthuizen wordt er in het bijzonder aandacht besteed aan voeding en de risico's op ondervoeding en deshydratatie. Het doel is om de normen zo aan te passen dat ze een basis vormen die volstaat om probleem omtrent voeding, ondervoeding en deshydratatie op te sporen en om de instellingen ertoe aan te zetten en reële preventiebeleid te ontwikkelen. Wat betreft de eventuele uitvoering van taken door niet gekwalificeerd personeel, moet ik erop wijzen dat het uitoefenen van gezondheidszorgberoepen door de federale wetgeving wordt geregeld. De controle van de praktijken van de meeste gezondheidsprofessionals en de inachtname van het takenpakket waarvoor zij gekwalificeerd zijn, valt dus onder de federale bevoegdheden. En dan nu uw vraag met betrekking tot de bezoldiging van het personeel. Het minimumloon of barema dat de werkgevers aan de werknemer moet betalen, wordt bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomsten. Het maandelijks minimaal bruto loon van een zorgkundige zonder anciëniteit in de privésector bedraagt op basis van de index van maart 2022 €1.980,59. In het kader van het non-profit akkoord van 23 december 2021 hebben de regering, de vakbondorganisatie en de werkgeversfederaties beslist om de IFIC-barema's toe te passen in de sector van de rusthuizen. In het gewest zal die beslissing in december 2022 worden doorgevoerd met terugwerkende kracht tot 1 juli 2022. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Busselen, pour une réplique. Ja, kort misschien. Ja, ik vraag mij gewoon af. Dus er komen nieuwe normen om ondervoeding en dehydratatie te kunnen opsporen en ervoor te kunnen zorgen dat een traject wordt afgelegd met de rusthuizen. Hè? Wanneer komen die normen er? Donc le trajet doit encore se produire au sein du gouvernement, mais une première lecture, c'est dans les prochaines semaines. Ça veut dire une mise en œuvre effective des arrêtés, puisqu'il y a tout le trajet de concertation et de consultation des arrêtés avant l'approbation définitive par le gouvernement. C'est une mise en œuvre début de l'année prochaine. Début de l'année prochaine. Début de l'année prochaine. Le Pekin, okay. Yeah, 23. OK. En... Ja, dus de praktijk waarbij niet gekwalificeerd personeel zou worden ingezet voor gekwalificeerd personeel, daar zegt u dat daar een federale controle is. Oké, heeft u de vraag gesteld bij de federale inspecties? Want het gaat hier toch om een serieus probleem, wanneer mensen taken zouden uitvoeren die niet die voorzien zijn voor gekwalificeerd personeel.
Non, c'est le contrôle des risques se fait sur le fait que la maison médicale ait bien tous les personnels requis par rapport à son agrément. Si un personnel triche par rapport à sa qualification, ça ne relève pas des compétences des risques de le vérifier, mais de l'inspection du travail. Si des plaintes sont déposées, mais s'il y a des plaintes, on peut les faire suivre. Et si nous constatons, si nos services constatent, ils peuvent évidemment interpeller leurs collègues aussi. Merci pour vos réponses. Merci, Monsieur Busselen. Alors, nous continuons notre ordre du jour avec une question orale de Madame Skepmans concernant l'anxiété chez les seniors. Madame Skepmans, vous avez la parole. Vous avez badgé ? Parce que maintenant, il paraît qu'il faut badger. Alors, si la technique peut passer. Voilà, vous m'entendez. Voilà. Parfait. Merci. Voilà, Monsieur le Ministre, dans un article consacré à l'anxiété, publié sur le site de Espace Senior, on souligne toute l'importance de la prévention sur cette question de l'anxiété. C'est à mes yeux un sujet important. Avec l'âge, l'anxiété qui provoque toutes sortes de difficultés somatiques peut également engendrer une souffrance psychique majeure. Elle provoque des symptômes dépressifs qui concernent pas moins d'un quart à un tiers des personnes âgées. Alors, parmi les troubles, on trouve l'anxiété généralisée, définie par la présence d'une préoccupation excessive et difficile à contrôler, les phobies, la peur, panique se traduisant par des palpitations, des nausées, une sensation de vertige ou une impression d'évanouissement. Alors, selon cette analyse, les facteurs à l'origine de l'anxiété sont le déclin physique, tel qu'un handicap visuel, les maladies chroniques comme les affections neurodégénératives, le cancer, les douleurs chroniques. Évidemment, des situations douloureuses comme des deuils, la solitude, la perte d'autonomie ou encore l'entrée en institution déclenchent ou renforcent l'anxiété. Alors, la crise sanitaire, les restrictions de ces dernières années ont évidemment aggravé la situation. À côté des traitements médicaux, il existe des alternatives thérapeutiques pour sortir les seniors de cet état d'anxiété, comme des activités récréatives, des exercices physiques adaptés ou de la relaxation. Dès lors, Monsieur le Ministre, voici mes questions. Quelle approche avez-vous par rapport à l'anxiété chez nos aînés? Avez-vous des données sur l'ampleur du problème en région bruxelloise? Quelles sont les actions développées en collaboration avec le secteur associatif et les maisons de repos sur cette question? Enfin, des outils de sensibilisation existe-t-il pour les associations? Je pense qu'une sensibilisation auprès du grand public est nécessaire pour que les gens ne minimisent pas cette souffrance réduite, à tort à une question d'âge. Voilà, je vous remercie déjà pour vos réponses. Merci, Madame Skepmans. Monsieur le ministre, je vous cède la parole pour vos réponses. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Skepmans. Alors, la question de l'anxiété, elle est complexe. Si on peut imaginer que les personnes âgées sont particulièrement sensibles à ce phénomène, l'enquête de santé 2021 de Sienzano indique en fait que la prévalence des troubles anxieux et dépressifs est 3 fois plus élevée chez les jeunes que chez les personnes âgées de 65 ans ou plus. Ceci étant également valable pour la région de Bruxelles-Capitale, si on en croit en tout cas les données de Sienzano. Ceci étant dit, nous devons prévenir les phénomènes d'anxiété qui peuvent effectivement prendre des formes pathologiques, que ce soit auprès des personnes âgées comme du reste de la population. À cette initiative, les initiatives fédérales via l'INAMI ainsi que des mutuelles doivent être soulignées. Au niveau national, un programme SI de première ligne a été mis en place pour améliorer l'accessibilité des soins psychologiques de première ligne pour l'ensemble de la population. Et dans ce cadre, un réseau a été développé dans la région de Bruxelles-Capitale. Ces soins sont accessibles à toutes les tranches d'âge, y compris les seniors. Par ailleurs, les mutualités prévoient aussi un remboursement forfaitaire via l'assurance complémentaire pour des consultations chez un psychologue clinicien. Enfin, des lignes d'écoute sont également mises en œuvre par certaines mutuelles. Au niveau bruxellois, il y a différentes initiatives qui ont été prises, dont on a déjà souvent parlé. Durant la pandémie Covid, on a veillé à ce que les visites restent en droit dans les maisons de repos. Et après le premier lockdown, les visites ont toujours été permises afin d'éviter solitude, anxiété et phénomènes de glissement qui avaient pu être constatés à l'occasion du premier lockdown. Par ailleurs, dans le cadre de la révision des normes d'agrément pour les maisons de repos, l'anxiété et la solitude sont abordées de manière transversale.
La philosophie générale étant de soutenir la transformation des maisons de repos en des lieux de vie réels, plutôt que de lieux de soins. Ainsi, une attention particulière a été accordée à la participation des résidents dans l'élaboration et le suivi des différentes politiques et actions menées par l'établissement, comme le projet de vie, à l'intégration des préférences des résidents dans l'élaboration des programmes d'activité et des menus, et à la formation des membres du personnel, entre autres en matière d'écoute des résidents. La révision des normes vise donc aussi à agir sur les facteurs de risque d'anxiété pour les maisons de repos. Enfin, on a lancé avec Iris Kerr un appel à projet pour les années 2022-2023, portant sur 5 thématiques prioritaires, dont le bien-être psychologique. Ce thème avait comme objectif de cibler des actions qui ont pour but d'entretenir le bien-être psychologique et affectif des personnes âgées, notamment grâce à la lutte contre l'isolement, l'organisation d'activités sociales, culturelles, physiques, etc., ou encore pour la mise en place de soutiens spécialisés. La sélection des candidatures par rapport à cet appel à projet est en cours de finalisation. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Skepmans, pour une réplique. Voilà, merci, Monsieur le Ministre. Évidemment, avec la pandémie, l'âgisme est devenu encore une réalité plus prégnante et accompagnée du phénomène de l'anxiété. Et justement, la commission pour l'égalité des chances va se pencher sur l'âgisme et je pense que c'est important, justement, c'est important que l'on puisse suivre cette problématique de près. Merci, Madame Skepmans. Alors, nous continuons nos travaux avec la question orale de Madame Beaumélé concernant l'accessibilité de nos hôpitaux aux personnes handicapées. Madame Beaumélé, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Pour de nombreux parents d'enfants handicapés, mais aussi et surtout pour les personnes en situation de handicap elles-mêmes, la visite à l'hôpital peut s'avérer véritablement pénible. Dans un rapport de 2013, l'Agence européenne des droits fondamentaux nous rappelait la nécessité de garantir à tous l'accès aux soins de santé et tout particulièrement aux hôpitaux. Comme le rappelle ce rapport, le handicap reste malheureusement l'un des principaux facteurs de discrimination dans l'accès aux soins de santé. Temps de traitement plus long, refus de soins, manque de dignité et reproduction de stéréotypes stigmatisants, maltraitance ou mauvaise pratique des soins, manque d'information et absence de consentement. Harcèlement aussi et souvent aussi des violences privées. Le rapport de la FRA dresse un triste constat. Après renseignement pris au collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles, CAWAB, il s'avère qu'il n'existe pas de protocole unique accessibilité pour les soins de santé, que ce soit l'accessibilité dure, c'est-à-dire infrastructure, bâtiment, mobilité, ou que ce soit l'accessibilité soft, c'est-à-dire protocole d'accueil inclusif, professionnel formé ou sensibilisé. Rien n'est véritablement fait entre les différents hôpitaux pour harmoniser une telle accessibilité. Il manque réellement une charte accessibilité que toutes les maisons de soins du pays devraient appliquer. Tout dépend en fait en réalité du bon vouloir des hôpitaux et de leur équipe. Certains disposent d'une procédure propre, beaucoup n'en ont d'ailleurs pas du tout. Il faudrait vraiment qu'on puisse centraliser et automatiser tout ça. D'ailleurs, la CAB critique fortement cette absence de charte accessibilité, ce qui ressort principalement de l'enquête datant de 2021 du GAMP, réalisée à ce sujet, c'est que l'accessibilité proposée reste souvent dure et ne prend pas assez en compte les handicaps autres que ceux de la mobilité. Mais force est de constater qu'une véritable demande existe, et que beaucoup d'associations, organismes ont déjà rendu des rapports et des enquêtes sur la question. Ainsi, je voudrais savoir, Monsieur le Ministre, si vous êtes régulièrement en contact avec le GAMP, avez-vous pris connaissance de leurs recommandations en la matière? Aujourd'hui, à Bruxelles, quels sont les protocoles mis en place pour rendre les hôpitaux réellement accessibles à toutes les personnes en situation de handicap? Pouvez-vous répondre en différenciant accessibilité dure et soft? Dans quelle mesure coopérez-vous avec le fédéral à ce sujet? Vous indiquez qu'il n'existait pas pour l'instant de coordination entre les différentes politiques handicap au niveau fédéral et les référents handicap en place au niveau des institutions régionales. Il importe pourtant d'organiser des moments d'échange sur les pratiques dans la limite des domaines de compétences de chacun. Qu'en est-il aujourd'hui? La constitution d'un guide de bonnes pratiques est-il à l'ordre du jour? Et enfin, une plateforme régionale handicap a été mise sur pied. Elle regroupe des managers de la diversité et des référents handicap au sein des ressources humaines de certaines institutions régionales.
Quels sont les travaux menés au sein de cette plateforme? Pouvez-vous nous assurer un suivi par rapport à ça? Merci. Merci, Madame Baumélé. Monsieur le ministre, je vous cède la parole pour vos réponses. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Baumélé. Mon cabinet a rencontré l'ASBL GAMP, qui est soutenu par un subside en COCOF, pour échanger à propos de questions portant sur le nombre de places d'accueil à Bruxelles, notamment en matière d'autisme. Je ne connaissais pas le rapport d'enquête que l'ASBL a publié sur l'accès aux hôpitaux. Et par ailleurs, le lien web qui est fourni est erroné, donc on ne l'a pas trouvé. Mais mon cabinet va prendre contact avec l'ASBL pour l'obtenir au plus vite. Quoi qu'il en soit, nous sommes pleinement conscients que des problèmes d'accessibilité des hôpitaux pour les personnes porteuses de handicap existent. L'accessibilité physique est relativement bien encadrée, notamment par le règlement régional d'urbanisme, même si de nombreux efforts restent à faire. En effet, les règles d'urbanisme, les normes de construction des hôpitaux, les règles de financement pour les rénovations prévoient toute une série d'obligations concernant l'accès aux bâtiments et aux différents locaux de ces bâtiments pour des patients utilisant des aides à la mobilité. On parle de rampes d'accès, de largeur de portes, ascenseurs, signalisation intérieure, usage de symboles, revêtement de sol, couloirs, portes intérieures, escaliers, toilettes, chambres, salles de bain, etc., etc. Mais bien que tout cela soit correctement encadré, on nous alerte du fait qu'il reste du chemin à faire en la matière. Tout comme il reste du chemin pour mieux rencontrer l'accessibilité non physique que vous nommez « soft », liée plutôt à des handicaps, mentaux ou sensoriels. Dans ce champ, il n'y a pas de normes précises, puisqu'il s'agit surtout d'être en capacité de répondre à une série de situations parfois très différentes. Le CAWAB et ses membres sont d'ailleurs outillés pour conseiller les institutions en la matière et développer des bonnes pratiques. Nous avions d'ailleurs fait appel à leur expertise dans le cadre de la mise en œuvre des centres de vaccination contre le Covid, notamment, si vous vous souvenez, vous avez audité l'accessibilité des centres de vaccination. Pour ce qui concerne les coordinations entre les entités fédérées, je me réjouis que la ministre Lalieu ait récemment relancé les travaux de la conférence interministérielle handicap. C'est un lieu d'échange qui est essentiel. C'est là que pourraient se coordonner des lignes directrices communes à tous les niveaux de pouvoir, notamment en se basant sur le rapport sur l'accessibilité des hôpitaux du Conseil supérieur national de la personne porteuse de handicap. Ce rapport reprend 18 points de recommandations et d'améliorations à l'attention des hôpitaux et des professionnels de santé qui exercent, dont des recommandations sur les éléments « soft » entre guillemets que vous évoquez. Ce rapport a été envoyé à tous les services de médiation des hôpitaux et selon ce Conseil supérieur, ces services de médiation sont les services hospitaliers les mieux placés pour vérifier la bonne application de la loi sur les droits du patient, dont le droit à un accès pour toutes et tous. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Baumélé, pour une réplique. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour toutes vos réponses. Et je suis très heureuse de voir quand même qu'il y a un rapport qui a été fait et que, voilà, que les hôpitaux s'en servent aussi pour pouvoir guider, pour que ça se passe dans de bonnes conditions. C'est une très, très, très bonne chose. Et je suis aussi content de voir qu'au niveau de l'activité physique, c'est-à-dire la mobilité physique, il y a quand même un règlement urbanistique qui tient compte quand même pour permettre que tout se passe au mieux. Mais j'entends qu'au niveau soft, c'est assez, pas encore mis à jour de façon complète. Mais je pense qu'avec la société qui est en train de vieillir, l'accessibilité dans les hôpitaux, c'est quand même un point qu'on doit vraiment être vigilant par rapport à ça, parce que voilà, ce sont des situations quand même dramatiques. Et je vois qu'on le sait que la discrimination dans l'accès aux soins de santé pour les personnes porteuses de handicap est quand même assez répétée. Et d'ailleurs, l'UNIA le souligne. Et je pense qu'il faut vraiment attirer une attention par rapport à ça. Voilà, je suis très contente, mais je voulais savoir un peu si vous allez assurer ce suivi pour nous informer comment ça se passe. Parce que voilà. Oui, par rapport au suivi. Forcément, comme toujours, les administrations sont en charge du suivi d'un certain nombre de normes et de dispositions, quoi. Okay. Je vous remercie. Merci, Madame Baumélé. Nous en arrivons à la dernière question orale de cette commission, une question orale de Madame Skepmans concernant la dénutrition des personnes âgées. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. La dénutrition est une maladie silencieuse et méconnue en Belgique. Souvent associée aux pays en voie de développement, c'est une maladie qui frappe également chez nous. D'ailleurs, la question a été évoquée dans
des interventions précédentes cet après-midi. Et donc, la question de la dénutrition constitue un enjeu de santé publique. Il est indispensable aussi de lui porter un intérêt majeur. Alors, la Belgian Alliance Optimal Nutritional Care for All partageait d'ailleurs une carte blanche en ce sens et rappelle que la dénutrition est également souvent associée à la vieillesse et ou à l'hospitalisation. Alors, la presse évoque le résultat d'études qui démontrent que ce phénomène touche une personne âgée sur 10 à domicile et une personne sur 2 pour les personnes hospitalisées ou en institution. Ainsi, il n'est pas rare de voir des résidents de maisons de repos en souffrir, et ce, malgré le fait que la nourriture puisse y être servie en quantité convenable. Alors, les causes de la dénutrition sont multiples. Elle peut provenir d'une prise de médicaments qui aurait des effets sur l'appétit, la difficulté de couper les aliments ou encore un manque de convivialité pendant le repas. Veiller à ce que l'alimentation servie à nos seniors soit saine et variée est également un point primordial à ne pas négliger. Il est donc nécessaire de mettre en place des mesures afin de permettre un accompagnement de qualité des personnes âgées. Alors, lors de la commission de la santé et de l'aide aux personnes du 20 mai 2021, vous nous disiez que votre cabinet avait entamé une réflexion pour que la stratégie Good Food profite également aux personnes âgées. Dès lors, Monsieur le Ministre, voici mes questions. Pouvez-vous me dire quelles sont les mesures mises en place dans la région bruxelloise afin de promouvoir un meilleur développement du programme Good Food? Disposez-vous d'une liste des maisons de repos qui disposent de ce label Good Food actuellement? Vous aviez également salué le fait que certaines maisons de repos avaient pris l'initiative de faire intervenir des nutritionnistes afin de répondre au mieux aux besoins des résidents. Alors, cette question a-t-elle été abordée dans le cadre de la révision des normes, comme mentionné pendant cette commission? Enfin, des actions de prévention et de sensibilisation du grand public ont-elles été menées concernant ce phénomène peu connu qu'est la dénutrition des personnes âgées et, dans l'affirmative, lesquelles? Je vous remercie déjà pour vos réponses. Merci, Madame Skepmans. Monsieur le ministre, je vous donne la parole pour les réponses. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Skepmans. La question du développement du programme Good Food au sein des maisons de repos fait partie intégrante de la réforme du secteur. Des contacts ont été pris entre Irisker et Bruxelles Environnement pour discuter des mesures envisageables. L'enjeu étant de tenir compte des besoins spécifiques des aînés ainsi que de la réalité du secteur, faisant souvent appel à des prestataires externes pour ce qui concerne la restauration. Comme vous pouvez le lire sur le site de Bruxelles Environnement, 4 services de restauration travaillant avec des maisons de repos sont déjà labellisés. Il y a une résidence qui dispose du label Une Fourchette, les Tilleuls. 3 établissements ont un label Deux Fourchettes, CPS de Berkheim-Sainte-Agathe, Val-des-Fleurs, la résidence Roi-Baudouin du CPS de Woluwe-Saint-Pierre et Wolu Facilities, qui est en fait une association chapitre 12, association de CPS donc, SBL, liée à une association de CPS, qui fournit entre autres des repas à la maison de repos, le Home Saint-Lambert. Par ailleurs, dans le cadre de la révision des normes d'agrément des maisons de repos, il a été plus largement question de l'alimentation et des mesures à prendre pour améliorer la qualité des repas et réduire les risques de dénutrition et de déshydratation. J'en ai parlé à l'occasion d'une question antérieure de M. Busselen. Plusieurs pistes sont discutées dans le cadre des GT alimentant la réforme. La mise en place de réunions internes dédiées au suivi de la dénutrition, de la déshydratation et de la politique générale de nutrition. Pour les membres du personnel, la nécessité de suivre des formations continues en lien avec l'alimentation et la nutrition des personnes âgées. Le soutien à l'élaboration de politiques de nutrition par le biais du service de contrôle et d'accompagnement des risqueurs. Le partage de bonnes pratiques entre établissements, comme par exemple l'intervention de nutritionnistes via les canaux de communication d'Irisker ou encore via les réseaux de professionnels. Et enfin, autant que possible, l'incitation à rentrer dans le cadre du label Good Food. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Skepmans, pour une réplique. Oui, une courte réplique pour remercier le ministre de ses réponses et lui, nous avons le même sentiment.
la même opinion qu'il faut nécessairement encourager les maisons de repos à se diriger vers ce label Good Food et prendre toutes les mesures nécessaires, je dirais, pour faire en sorte que justement l'alimentation soit véritablement un plus dans les résidences. Merci Madame Skepmans. Ceci clôture notre séance de questions orales et des demandes d'explications. Je voudrais par la même occasion remercier le ministre pour sa disponibilité. Nous allons entamer le dernier point de cette commission, à savoir les suivis de la commission délibérative. Alors, vous avez certainement tous reçu aujourd'hui le rapport provisoire des suivis. Je pense que c'est dans vos mails. Donc, pourquoi provisoire ? Puisque le rapport qui vient de la commission logement n'est pas finalisé. Donc, les services sont occupés à les finaliser. Lorsque nous serons en possession de ce rapport-là, nous pourrons finaliser le rapport global des suivis. Et ce que je vous propose, chers collègues, c'est d'abord d'avoir ce rapport finalisé pour qu'on puisse voir très clairement les points qui ne sont pas traités par les diverses commissions, pour qu'on puisse rassembler ces recommandations ensemble dans le groupe de travail que nous avons créé et à convenir entre nous peut-être une résolution de commission éventuellement, pour que nous puissions retourner vers les citoyens avec des suivis complets, que ce soit par les compétences des membres du gouvernement ou notre commission. Si ça vous convient, je vous enverrai un lien Zoom. Je pense que ce sera plus facile pour tout le monde qu'on puisse se voir en Zoom la semaine prochaine, dès qu'on sera en possession du rapport finalisé, pour que nous puissions enfin réfléchir ensemble à la manière dont nous allons traiter donc ces différentes recommandations qui ne sont pas traitées dans l'ensemble des commissions. Voilà, chers collègues, est-ce qu'il y a des questions ? Madame Nagy. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va avoir une identification de ces... Parce que je vous avoue, je n'ai pas encore regardé le rapport qui est arrivé ce matin. On identifie bien qu'est-ce qui n'a pas été traité. D'accord, donc c'est plus facile de voir. C'est bien ça. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas été repris par toutes les commissions. Mm-hmm. Et le fait que je souhaite attendre d'avoir le rapport final, c'est vraiment pour bien identifier, pour qu'on puisse vous envoyer un mail en disant, voilà, il y a 2, 3, 4 recommandations qui ne sont pas encore traitées. Et à ce moment-là, peut-être réfléchir ensemble de pouvoir les intégrer sous la forme peut-être d'une proposition de résolution ou autre, hein, donc à réfléchir entre nous. Et ça, on pourrait le faire en visio la semaine prochaine. Oui, merci. Mais peut-être aussi dans le même sens, hein, pour... vous m'aviez dit que ce serait possible, mais donc je voudrais bien que ça puisse être acté ici. Parce que je pense que c'est important, c'est d'avoir peut-être un tableau, un petit peu comme on a eu lors de la présentation de M. Marron, parce que ça permet d'être très clair. En reprenant évidemment les 98, je pense que je ne me trompe pas, 98 pardon, recommandations, et où on a alors une ou deux colonnes supplémentaires, donc avec la première... enfin, les recommandations, d'avoir ministre ou parlement, et puis éventuellement, soit c'est fait, soit il y a éventuellement un calendrier, et alors après, évidemment, pour les citoyens, il y aura aussi les annexes. Mais je pense que ce tableau est vraiment important parce que je crois que c'est pas très compliqué, a priori, de le mettre dedans. Ce qui est peut-être plus compliqué, c'est comme les débats ont été faits peut-être plus globalement, peut-être qu'à certains moments, ça va être compliqué, mais ça va permettre vraiment de clarifier les choses. Et pour nous, au départ, pour savoir alors ce qui n'a pas fait l'objet de suivi, et pour les citoyens qui verront tout de suite, ça c'est les ministres, ça c'est où c'est fait, etc. Donc je demande vraiment qu'ils puissent avoir ce tableau, mais je pense que vous me l'aviez dit, mais vous pouvez me le confirmer. Oui, tout à fait, Madame Plovier, effectivement. Moi, j'ai eu l'occasion de lire le rapport provisoire, il est très complet, on reprend tout, mais je pense que le proposer comme ça en vrac, c'est vraiment pas pédagogique du tout pour nos citoyens, et c'est la demande que j'avais fait effectivement pour les services. Au même titre que celui de M. Marron, celle qu'il avait proposée pour les recommandations qui étaient directement liées à notre commission, je pense que c'était très très clair, limpide, avec des couleurs, etc. Donc c'était vraiment bien, et je pense que c'est ce cadre-là qu'il faudrait, et évidemment peut-être mettre des annexes au rapport pour que les citoyens s'y retrouvent plus facilement.
Et donc ça, c'est vraiment l'idée. Et voilà, donc on va voir avec les... Je pense que ça devrait se faire assez aisément. Merci beaucoup et merci au service. Parce surtout, que ça va être surtout un parce que oui, c'est un travail en plus avec toutes les commissions qui redémarrent maintenant, des commissions délibératives. C'est vrai qu'ils sont vraiment chargés. Je tiens aussi à les remercier par la même occasion. Alors, par rapport aussi à la discussion que nous avons eue, évidemment, pour ce retour vers les citoyens, l'idée, c'est effectivement que le ministre vienne, donc au même titre qu'il a fait la dernière fois pour notre commission, d'une manière très pédagogique, comme il sait le faire, refaire le tour avec nous. Je crois que ce sera beaucoup plus facile. Madame Plovy. Alors, par rapport à ça, je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir peut-être les ministres qui ont le plus de réponses à donner. Alors, je me doute que certains ministres n'auraient qu'une seule recommandation à faire. Je pense que là, le gouvernement doit s'organiser entre eux et ne fasse pas venir 5 ministres. Voilà. Mais peut-être que s'il y en a... je pense quand même que le logement, c'est une partie importante. Peut-être qu'il y a un autre ministre encore qui a peut-être des choses importantes parce qu'il a plusieurs recommandations, qui viennent à 2 ou à 3 et qui puissent répondre correctement. C'est vrai que c'est difficile pour des parlementaires ou pour les rapporteurs d'aller défendre des politiques qui sont menées par les ministres. Et je pense que pour les citoyens, ça va être beaucoup plus clair parce que ça permettra de voir qui concrètement fait ou ne fait pas, mais en tout cas qui concrètement est responsable du suivi. Donc je crois que ça va clarifier les choses. Bien évidemment, je suis totalement d'accord avec vous. Et effectivement, le fait que les parlementaires soient l'organe de contrôle de l'action du gouvernement, c'est aussi d'une manière pédagogique très bien pour les citoyens. Et je crois que c'est ça l'exercice aussi. Totalement d'accord. Je pense qu'il y aura certainement M. Marron, la ministre du Logement certainement, peut-être le ministre-président en développement territorial aussi. Mais ça, nous allons lancer dans un second temps les invitations. Effectivement, la ministre de la Mobilité qui a une seule recommandation, je ne vais pas nous la convoquer. Je pense que ce ne sera pas nécessaire. Donc voilà, chers collègues, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer cette séance. Voilà, je vous souhaite tous une bonne fin de journée. Et je